Rebonjour à tous. Alors, je sais pas si ce passage sera dans l'épisode 10, au début de l'épisode 10, ou à la fin de l'épisode 9, je sais pas. Donc, si on est à l'épisode 10, ben bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 10 de l'épopée d'un enchanteur. Sinon, ben voilà, ben, je pense que ce sera le début de l'épisode 10. Voilà, ça réglera les problèmes. Et Me Sens Génial nous a rejoint. Me Sens Génial nous a rejoint en tant qu'architecte et malheureusement elle peut pas nous rejoindre sur le TS pour qu'on puisse s'organiser, peut-être plus tard, je sais pas. Et donc elle va nous construire une maison. Alors on lui a dit peut-être le style médiéval pour répondre au type enchantement, ça serait sympa. Donc elle est en train de chercher des idées et puis on verra bien. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas nos skins parce que d'habitude elle a un super skin très très joli. C'est malheureux, faut vraiment que je regarde si comment à Minecraft si on peut l'implémenter. Voilà, donc elle arrive un petit peu dans l'aventure, faut qu'elle prenne ses marques, hein. Elle va prendre son temps. Et donc elle va nous construire une super maison, donc faut voir les créations qu'elle a fait auparavant sur le serveur, hein. C'est un petit peu notre architecte. Puis bon, donc c'est une fille, hein. C'est une des rares filles du serveur, hein, Me Sens Génial. Elle est Manon, ça. Donc voilà. Donc, bon, faut s'attendre peut-être à ce qu'il y ait des petits goûts de, comment, des petites couches, enfin, des petites touches, pardon, féminines dans la décoration de la maison. Mais je trouve que c'est super, que ça sera, je suis sûr qu'elle va nous faire un truc super sympa. Elle est en train de délimiter le terrain pour la maison. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle venue vous plaît. Ça qui fait qu'on est trois maintenant dans l'aventure. Et voilà. Donc je vais couper cette vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour cet épisode. Et puis ben je vous dis à tout à l'heure. Nous nous retrouvons plusieurs heures plus tard. J'ai dû me déconnecter pour encoder l'épisode 9 pendant que Me Sens Génial construisait bah, notre logement. Elle nous a dit qu'elle voulait partir sur un truc genre temple abandonné. Donc je me suis dit, c'est pas vraiment ce qu'elle fait habituellement. D'habitude, elle est habituée à faire plutôt des maisonnettes, des trucs comme ça. Et donc j'ai été surpris et je me demande si ce serait pas un troll. Non, parce que vraiment en ruine quoi. Donc il y a des trous partout, il y a des... Non, je sais pas. Donc moi j'y ai mis trois petits panneaux là, juste avant de prendre le record. Je voyais un truc un peu plus festif et accueillant parce que là ça fait vraiment ruine. Est-ce que tu tentes de nous troller? Voilà, signé MDJ. Donc Donc là malheureusement elle s'est déconnectée, à mon avis elle se reconnectera pas avant ben, demain. Donc bon, moi je vais aller tourner ailleurs, essayer de trouver une autre activité ailleurs, mais oui là c'est non, c'est pas possible, c'est pas vivable ça. Donc temple, moi je pensais que de l'extérieur elle ferait temple, ok, à ruine, mais que l'intérieur elle allait aménager ça. Donc et puis je vois qu'il y a des trous partout. Donc non, je suis sûr que c'est un troll, c'est obligé d'être un troll là, elle se fout de nous. À la limite, la mine serait plus vivable que ça quoi. Voilà, bon donc bah, c'est pas grave, on va se retrouver sur autre chose, hein, résultat. Alors oui, alors, F. Saverne m'a dit que... Oh zut. Excusez-moi, hop. Ok, d'accord, j'arrive en plein milieu de la flotte. D'accord, ok. Hein? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Où est-ce qu'il croit que les citrouilles vont pousser là? Ah bah, il pouvait attendre longtemps pour que la citrouille elle pousse. Bon,
Attendez, puis non mais sérieusement quoi. Là je crois que ils font tous des conneries plus grosses les uns que les autres, c'est hallucinant. Faut pas les. Où est-ce qu'ils croient que les citrouilles vont pousser là? C'est hallucinant. Bon bref, donc il m'a signalé comment qu'un. Mais c'est quoi ce délire? Voilà, qu'un golem avait spawné. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait comme bordel là? Ils se foutent de moi, ils se foutent tous de moi, c'est obligé. C'est une blague. Ils ont décidé de me troller pour le 10e épisode, c'est obligé quoi. C'est. Et toi dégage, dégage. Attends, va dans les cactus, va dans les cactus. Allez, hop. Voilà, amuse-toi. Non mais sérieusement là, entre Monsieur Génial qui fait n'importe quoi avec la maison et lui qui saccage notre potager, c'est. Bon enfin voilà, donc tout ce que je voulais vous montrer c'était qu'un spolem avait spawné ici, d'après les dires de F. Savard. Mais. Et non, là il a fait n'importe quoi au niveau des citrouilles. Enfin, c'est pas trop grave. Allez, on. Et comment il veut qu'on rentre maintenant? Je veux dire, avant je sautais sur les blocs pour rentrer, mais là, il en a foutu partout en plus. Aïe 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 aïe. Quelle équipe de bras cassés. Bon, petite coupure, je vais voir ce que je peux faire et puis je vous retrouve tout à l'heure. C'est pas vrai. Et nous nous retrouvons le lendemain. Donc Monsieur Génial a vu mes panneaux, elle en a mis d'autres, on va lire ça ensemble. Donc voilà, elle est partie sur un autre thème. Bon donc voilà. Pareil, hein, on a viré les cactus au niveau des fermes, voilà. Alors ça c'est plus tard. Donc en gros, donc voilà. Comment, ce qu'elle a répondu donc à mon message. Non mais je t'ai demandé si le style temple en ruine te convenait. Donc j'ai fait style temple en ruine. Après si t'aimes pas je change. Avec le petit smiley qui va bien. Bon vu que t'aimes pas, je refais tout en mode. Ou du moins je vais essayer de faire médiéval. Hein. Donc ouais d'accord, ok. Médiéval, d'accord, ouais. Vu que c'était l'idée de départ. Donc alors. En fait, donc c'est ce que j'explique après dans. Et comme ça, est-ce que ça te va MDJ? Voilà. Voilà ce qu'elle m'a mis. Donc là, ça me convient déjà un peu mieux, même si je trouve ça assez cubique. Je pensais qu'elle allait faire, par exemple, voilà, qu'elle allait faire comment un creuset en fait dans cette partie-là, vous savez, un espèce de voilà, de petit creuset. Un truc comme ça. Moi je pensais qu'elle allait faire comme ça. Donc j'y ai laissé un petit livre, qu'on va lire ensemble rapidement. Voilà, elle me semble génial. Oui, alors, excusez-moi, j'ai tapé ça à l'arrache. Il y a certainement des fautes d'orthographe, hein, j'en suis sûr. J'ai tapé ça vraiment à l'arrache très rapidement pour que je puisse tourner le plus rapidement possible parce que j'ai pris un peu de retard sur les enregistrements. Je vous dis, je suis de moins en moins disponible en ce moment, donc voilà. Oui, c'est nettement mieux, même si tu m'as habitué à mieux, mais je suppose que tu n'as pas fini. Je n'étais pas contre l'idée de l'aspect temple en ruine, mais seulement pour l'extérieur. Je pensais que pour l'intérieur, tu émettrais un peu plus de. Oups. Excusez-moi. De gaieté et une petite touche de féminité. MDJ. Voilà. Voilà ce que je lui mets et qu'elle lira. Des livres écrits, on en a gratuitement au spawn, afin qu'on puisse comme ça s'envoyer des petits messages dans des boîtes aux lettres et tout. Voilà. Et vous avez vu que ma main a changé. J'ai réinstallé Minecraft parce que je me suis dit, on est au 10e épisode. Et il est hors de question que je tourne ce 10e épisode sans le skin. Oups. Excusez-moi, hop. Voilà, du 10e docteur, hein, donc de David Tennant, en Doctor Who. Donc voilà, donc j'ai réinstallé Minecraft, ça marche très très bien. Les autres joueurs ben, l'installeront, c'est assez simple à installer. J'ai fait un petit post sur le fait sur. Comment? Sur Facebook et je modifierai la page de toute façon du site internet concernant les skins personnalisés afin de le mettre à jour parce que c'est plus dans un Minecraft.jar mais dans la version 1.6.2.jar.
Donc voilà. Voilà. Donc mon skin me manquait, c'est vrai que ça me manquait beaucoup. Même si, de toute façon, vous l'aurez su depuis le premier épisode, vu que j'aurais tourné une vidéo en même temps. Si vous voulez comment... Alors, on est avant le 1er août au moment où je tourne cette vidéo, mais pour le 1er août, je prévois une vidéo où je lance, où je lance un petit concours de skins. J'aimerais trouver un skin qui me correspondrait un petit peu mieux, donc je donnerai une description dans cette vidéo un petit peu de moi physiquement. J'aimerais que ça me ressemble un petit peu. Donc voilà, et puis le vainqueur évidemment aura comment aura son nom dans la vidéo. Enfin voilà quoi, c'est... Voilà. De toute façon, le 1er août, je tournerai également l'épisode. Alors je sais pas, ce sera peut-être l'épisode. Là on est au 10e, allez, peut-être dans l'épisode 13, vous connaîtrez le nom du gagnant de ce concours. Et puis voilà, de toute façon, je suppose que les skins, il va y en avoir pas mal. Donc voilà, donc pour le moment, je garde mon skin de Docteur Wu, du 10e Docteur. Voilà. Je voulais déjà le faire, alors je voulais déjà le faire en fait pour l'épisode 9, mettre le skin du Docteur, mais du 9e, donc de Christopher Eccleston. J'aurais voulu le mettre, mais bon, j'avais pas eu le temps de réinstaller Minecraft. Et pour l'épisode suivant, j'aurais bien envie de mettre quand même le skin de Matt Schmidt, même si c'est pas mon docteur préféré. Mon docteur préféré, ça reste celui-là, David Tennant. Voilà, donc à la limite, je mettrais peut-être le skin de Matt Schmidt demain. Je sais pas. Bah, pour le 11e épisode, hein, je sais pas du tout. Enfin voilà. Donc on va s'arrêter là pour les hop skins. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour la maison. Alors, juste un petit truc, elle a mis un petit post-it. En fait, elle a surélevé un petit peu le plancher. Et donc résultat, il va falloir qu'on remonte les fours, les tables de crafting, les coffres avec tout le bordel qu'il y a dedans. J'ai déjà remonté la table d'enchantement et les enclumes, de la plus abîmée à la moins abîmée. Celle-là est extrêmement endommagée. Elle est sur le point de céder. C'est donc bon bah quand elle cédera, bah celle-là qui est légèrement endommagée. Je sais pas si je peux voir le dessus. Ouais, puis on va éviter de les casser, mais celle-là est assez endommagée. Et on va prévoir quelque chose. Je vais vous emmener en enfer. Alors, n'ayez pas peur, mais on va aller dans l'endroit du serveur qui est le plus dangereux qui existe. Je vais vous en parler après. Alors, je vais enchanter cet arc niveau 30. Ah oui, je suis con. Pas de bibliothèque. Bon, on va utiliser la bibliothèque du... Enfin, la table d'enchantement du spawn. Parce que j'aurais de quoi me faire des bibliothèques, mais ici, j'aime bien garder des bas niveaux. Hop, on va utiliser la table d'enchantement pour les niveaux 30. Et pourvu qu'on ait... Ah non! C'est pas vrai, je voulais Infinity. Oh, c'est pas vrai. Combien j'ai? Puissance 4. Ah, et puis là j'ai puissance 3 en plus. Ben non, c'est pas ce que je veux. Bon bah écoutez, ben je vais retourner à l'Under Farm pour aller me chercher mes 30 niveaux. F Savard y est déjà. Ben attendez. Si tu as un arc. J'en aurai besoin. Voilà. C'est pas par là. Par là, il y a bah, que Puik. Hein. Ce sont des emplacements libres pour des prochains warps. Alors, je ne vais pas. On va se quitter comment sur. Là sur l'end portail et puis comment et puis après on reprendra quand je l'end portail n'importe quoi c'est pas là que je vais aller ça c'est le ce sera là l'enfer que dont je vous parlais donc c'est là qu'on ira à la toute fin ça c'est un truc de TB Killer donc ça doit être par là Under Farm c'est ça voilà. On y arrive, on y arrive, on y arrive.
Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour après avoir... Oula, il y a du people. Allez. Ouais, alors F-Savard était déjà là, donc là on est deux fois plus, donc ça va peut-être spawner deux fois plus vite. Ça risque d'être violent. Je vais finir par le tuer en plus. Voilà, donc je récupère les niveaux, sauf qu'en plus lui il est en train de me pomper tous les niveaux. Non, 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 non. Voilà, bon, je vous retrouve quand on sera niveau 30. Bien, et ben nous revenons de... Oula, les FPS ont du mal à remonter après le spawn. Allez, cette fois-ci un peu... Bah oui, encore faudrait-il que j'ai un arc. On va chercher un arc rapidement. Hop, 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 c'est par là. Autant s'en refaire un neuf. Ah, j'ai oublié de remettre les underboules. Bon, ça fait rien. Si, je. Bon, ça fait rien. Pour le moment, je vais les stocker là. Je sais qu'il y en aura là. À remettre dans l'under farm. Tac. Je pouvais en faire plusieurs. Non, je peux en faire qu'un de toute façon. Hop. Allez, on retourne au spawn. On va prier pour ça. Parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse ce que je pense. Et malheureusement, ben tout ça, ben, ça prend du temps vidéo. Allez, non, merde. Je vais checker le wiki pour avoir Affinity, quel est le niveau le plus recommandé. Et puis bah je reviens, je retourne à l'Under Farm. Oh, c'est pas vrai. Bon bah. Séquence qui sert à rien. Bon, à tout de suite. Bon, finalement j'ai pas été checker le wiki. Je suis à 32 niveaux. Allez. Tout simplement. Hop. Hop. Voilà, on les enchante. Je sais, j'aurais pu les fusionner pour avoir un Power 5, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'a... Abondance. Ouh, c'est bon. Ok. Et puissance 4. Ouais. Attendez. F-Savard a un problème, il me dit. Ça oh, il me faut une épée looting aussi. Faut que je regarde si on en a une. Quel con, il a dû taper comment slash top dans l'Under Farm pour regarder comment c'était fait et il s'est retrouvé bloqué dans des pistons. Il est vraiment con. Bon, autant pour moi, il me faut une épée looting, donc on va retourner rapidement. Ou alors je crois qu'il y a des PNJ qui proposent des épées looting à pas trop cher. Oula, il y a un gros lag parce que j'aurais dû être TP. Sachant que... Ouais, ok. Oula. Waouh. Ah, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est magnifique. C'est... Waouh. Bon, je vais voir. À mon avis, le serveur est encore un peu trop chaud parce que là, encore plus chaud que les derniers jours, donc ça doit être ça. Attendez, je vais checker rapidement. Wow, 67 degrés. Ouais. Ouais, c'est normal qu'on ait des bugs. Bah, dès qu'on dépasse les 65 degrés sur le serveur, on a des gros bugs, des gros lags. Donc c'est ça. Donc j'ai dit que je rajouterais un ventilo et puis. Et puis c'est toujours pas fait, je dois l'avouer. Looting en plus ça doit être encore des hauts niveaux.
niveau de looting. Écoutez, je décoche Roku là parce que... Parce que c'est là que je vais voir ce qui se passe au niveau serveur. A tout de suite. Bien, donc nous nous retrouvons, donc le stuff complètement nettoyé, donc remis dans des coffres merdiers, pas possible. Donc, l'épée butin, donc looting 3, finalement m'a été prêtée par F. Savard parce qu'il avait, il avait ça sur lui. Donc, bon, bah, je le remercie. Voilà, et comment? Donc, mon armure en fer est ici, je vais vous montrer pourquoi. Et l'arc qu'on a enchanté avec Infinity, donc Abondance, je l'ai augmenté à puissance 5, donc il était puissance 4 avant, donc avec un bouquin qui était dans le coffre, je l'ai augmenté à puissance 5, ce sera pour plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Ça c'est du shité dont je me servirai pas, je vous avais prévenu. Le casque en fer, tout ça. Ok, donc il me reste 9 niveaux et au niveau donc du stuff, donc j'ai enchanté comment mon stuff, donc le casque protection 4, solidité 3 et aisance aquatique 1, donc évidemment donc c'est le stuff pratiquement maximum, protection 4, solidité 3 pour le plastron. Pour les jambières, protection 4 et solidité 3, donc comme le plastron. Et bottes en diamant, solidité 3, protection 4 et chute amortie 4. Alors il m'a... Comment? F-Savard m'a signalé que chute amortie, le 4 c'était le maximum. Donc j'avais un bouquin maximum. En fait, je savais pas si chute amortie 5 ça existait. J'avais un doute. Et j'avais pas été vérifié en créative. Donc voilà. Et maintenant, où allons-nous avec ceci? Désolé, j'ai appuyé sur F9 par inadvertance. Donc je disais, où allons-nous comment à présent? Eh bien, nous allons partir au spawn, mes amis. Attendez, juste une seconde. Voilà, excusez-moi, j'ai dû m'absenter une petite seconde. Donc, je disais, on va au spawn et on va aller en enfer. On va aller dans l'endroit le plus dangereux du serveur. Sachant que comment c'est on peut toujours taper slash spawn d'ailleurs, comme ça j'en profite la commande et la dernière tapée, et on va aller dans le Nether Roof. Voilà, alors Nether Roof, hein, pour ceux qui parlent bien anglais, c'est ça veut dire toit du Nether. Donc souvenez-vous, si vous avez regardé comment la vidéo des 3 heures du serveur, en fait on est sur le toit du Nether. Et en fait, comment TB Killer a eu une idée, c'est de créer un labyrinthe sur le Nether Roof. Donc pour le moment il n'est pas très grand, mais on l'agrandit régulièrement. Avec des mobs spawners, hein, donc voilà. Donc c'est parti. Donc l'objectif c'est quoi? Bah, ça va être comment de farmer les Wither squelettes afin de pouvoir comment dire, afin de pouvoir invoquer le Weaver, ou Wither, vous dites comme vous voulez, et ainsi comment et donc pouvoir se créer un beacon déjà. Donc voilà, donc c'est l'objectif. Donc on va arrêter. Donc c'est bizarre que les bizarre, ça aurait dû déjà spawner. J'ai pas l'impression que ça spawn des masses. Je vois pourquoi ça spawn pas et on reprend l'accéléré. A tout de suite. Tiens, en plus je me suis perdu. C'est pas... pas par là. Je suis paumé. Je crois pas, j'arrive pas à retrouver la salle centrale. Oh non. Ah non, ce labyrinthe est assez violent. Oula, oula, ça y est. Ah là, enfin un Wither squelette. Alors, pourquoi il me fallait looting? C'était parce qu'on a plus de chances de dropper leurs items avec avec ça, enfin leur crâne avec ça. Bon, et ben donc ça fonctionne, hein, c'est juste parce que voilà, je buguais un peu peut-être, ou c'est le temps que les cages de spawner s'activent.
s'active, parce que oui, il y a des caches polaires partout. Donc on va... qui sont bien cachés, hein. Ils sont très bien cachés dans les murs. Vous pouvez pas les... Vous pouvez pas les... Bon, écoutez, j'arrête là, je passe en accéléré, et puis à bientôt. Je devrais d'ailleurs remplacer... ouais, tiens, ce serait pas con, ça. Remplacer par quelque chose de spawnable. Ah. je promène le golem de fer. Comment? Donc je coupe et puis tiens. Ah, bizarre ça, je me souvenais pas avoir mis un truc comme ça. Voilà. Et donc écoutez, on se retrouve en accéléré. Et puis ça fait trois fois que je le dis quand même. Donc c'est parti.
nous nous retrouvons comment après cette séance de farming donc sur le Netherroof, hein, donc le labyrinthe qu'a créé TB Killer sur Donc j'ai vu qu'il y avait un problème dans le Netherroof, justement il y avait un gros trou à cause d'une ferme que j'avais copié-collé, enfin voilà, j'irai réparer ça prochainement. Donc nous avons trois têtes de weaver, nous en avons même une quatrième, vu que F. Savard en a chopé une quatrième juste après moi en fait. Donc il a trouvé la première, j'ai trouvé la seconde et j'ai trouvé la troisième juste avant qu'il trouve la quatrième. Donc voilà, donc en gros 5 ans, en gros il y a deux partout. Donc on va pouvoir invoquer le Weezer au prochain épisode malheureusement, parce que cet épisode aura duré je pense assez longtemps. Donc pour le prochain épisode on se fera ça, on se fera le Nether. J'ai envoyé F. Savard dans le Nether pour qu'il nous récupère un petit peu de quoi faire des potions, à savoir donc de la Nether Wart, hein, donc des verrues du Nether et de la Soul Sand. Il nous faut également la Soul Sand de toute façon pour invoquer le Weezer. J'en ai 35. De quoi? J'en ai 35, ça va aller. Ah, t'as déjà 35 Soul Sand? Bon, bah oui. Et de la Nether Wart, t'en as ou... Bah, faut en trouver. D'accord, bon, bah, bonne chance pour en trouver. Sinon, il doit y avoir un joueur qui doit en avoir quelque part, on se renseignera. Donc, voilà, on... Donc, eh ben, on va se quitter sur ces belles paroles. Et puis, donc, n'hésitez pas... à vous abonner, à liker la vidéo, suivez l'actualité du serveur sur ma page Facebook ainsi que sur le site mineserve-mdj.fr.nf, télécharger le mode Minecraft pour avoir des skins personnalisés si vous le désirez, si vous voulez voir les skins de nos joueurs si vous nous rejoignez également. Voilà, voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Petit review là, je suis désolé pour le grésillement de la dernière séquence. J'avais mon ventilo d'activé. Si vous entendez des grésillements, c'est à cause du ventilo. Voilà, donc j'en suis désolé, j'ai oublié de le couper juste avant de reprendre le record. Voilà, donc sur ce, à bientôt.